1, 2, 1, 2, 3.
Bonjour, messieurs, dames. Je me présente, Gérald Denéjon, de l'entreprise IMDS Professionnel, et je suis géographiquement situé en Bourgogne, près de Dijon. Et durant ces trois quarts d'heure, je vais vous présenter la réglementation qui concerne la base de données SIP, SCIP. Est-ce que vous pouvez me confirmer juste que vous voyez bien la page de présentation du diaporama qui s'appelle Bienvenue à votre séminaire? Très bien, merci à vous. Un rapide mot sur l'entreprise IMDS Professionnel. C'est une entreprise qui propose des formations sur toute l'Europe qui concernent les réglementations sur les produits chimiques, les substances dangereuses ou les substances interdites, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez. En fonction des pays, vous avez des réglementations qui diffèrent. Et le but des formations, c'est de vous permettre d'y voir plus clair en ce qui concerne ce que vous avez le droit ou ce que vous n'avez pas le droit d'utiliser dans vos produits que vous vendez. Les formations ont lieu dans diverses langues, 8 langues, et les formations sont publiques, comme aujourd'hui, où le contenu est prédéfini. Elles peuvent être également exclusive, c'est-à-dire que le contenu est défini en collaboration avec vous-même pour répondre à un ou des besoins que vous avez dans votre entreprise. Je vois que des personnes arrivent encore, donc je les intègre évidemment dans la réunion. Bienvenue aux derniers arrivants. Le contenu de cette vue d'ensemble, ça n'a pas la prétention de rentrer dans le détail, mais de vous donner une idée de ce qu'est la réglementation SIP, c'est déjà de savoir d'où vient cette exigence, de quelle réglementation il s'agit, de la directive cadre sur les déchets. Qu'est-ce qui doit être notifié? Ça veut dire que concrètement, quels sont les produits que vous allez devoir notifier dans la base de données, et ces produits-là, vous allez devoir remplir un certain nombre d'informations. Nous allons voir ensemble le contenu de ces informations. Et pour ce faire, il va falloir collecter les informations, savoir quels sont les produits chez vous qui sont concernés, savoir si tous les produits sont concernés et ensuite faire la notification. Et pour terminer, quelques mots sur les services et les autres webinaires que nous pouvons vous proposer sur ce thème-là. Alors, avant de commencer vraiment dans le sujet, je vais rappeler quelques définitions ou quelques acronymes importants. L'ECHA, c'est l'Agence européenne des produits chimiques qui se situe en Finlande. Et cette agence européenne a comme mission d'aider à l'application du règlement REACH et notamment de l'exigence SIP. C'est-à-dire, c'est un service européen qui travaille donc pour le compte de l'Europe et qui a en charge un certain nombre de missions au titre notamment de SIP. C'est-à-dire, c'est l'ECHA qui tient à disposition une base de données, la base de données SIP,
qui va permettre aux entreprises européennes de faire des notifications. On va voir qu'est-ce qu'on entend par notification. La WFD, c'est la directive sur les déchets, la directive cadre. Il s'agit donc d'un terme anglais qui veut dire Waste Framework Directive. Cette directive a un numéro, que voici, et cette directive, qu'on a l'habitude de désigner par WFD, s'applique donc dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, donc dans les 27 pays aujourd'hui qui composent l'Union européenne. Le Royaume-Uni ne faisant plus partie de l'Union européenne. Dans cette WFD, il a été ajouté en 2018 un article 9.2, et c'est justement cet article 9.2 qui donne cette exigence de notification CIP. Donc, toute la base réglementaire de ces notifications CIP que vous serez amené peut-être à devoir faire provient de l'article 9.2 de la directive WFD. Maintenant, une SVHC, c'est un terme important puisque une SVHC, c'est un terme qui vient de la réglementation REACH et qui signifie en anglais Substance of Very High Concern, une substance extrêmement préoccupante. C'est une substance très dangereuse qui fait partie d'une liste qu'on appelle la liste candidate. J'y reviendrai. Il existe, au titre du règlement REACH, une exigence qui est l'article 33, paragraphe 1, qui vous impose, cette exigence existe depuis 2008, donc elle n'est pas nouvelle. Cette exigence vous impose d'informer votre ou vos clients dès lors que dans votre article, vous avez une SVHC de la liste candidate, cette fameuse liste tenue à jour par l'Europe, a une teneur supérieure à 0,1% en poids ou en masse. Donc, dit autrement, vous devez, depuis de nombreuses années, déclarer à votre client tous les articles, les produits qui contiennent une substance extrêmement dangereuse, qui fait partie de cette fameuse liste candidate, dès lors qu'il y en a plus de 0,1%. Ça n'est pas interdit d'utiliser la ou les substances de cette liste candidate. Simplement, vous avez un devoir d'information. C'est l'article 33, paragraphe 1, et qui concerne le B2B, donc business to business, une abréviation pour dire que ça ne concerne que les professionnels qui vendent à des professionnels. Un magasin, un détaillant tel que Decathlon ou votre épicier ou la boulangerie ou un magasin d'archi, eux ne sont pas concernés, a priori, puisque ce sont des entreprises B2C, ça veut dire business to customer, donc des professionnels à des consommateurs. Et le dernier concept qui a son importance pour CIP, c'est la notion de O5A. O5A en anglais, qui signifie « once an article, always an article ». En français, on peut traduire par l'expression « article un jour, article toujours ». Alors, cette notion, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle est importante parce que, prenez l'exemple d'une vis, une simple vis, qui est utilisée dans un collier.
Le collier est constitué de trois composants. On retrouve évidemment la vis, il y a un support et il y a une bague. Et ce collier est utilisé dans une voiture, dans le compartiment moteur. Ce que dit le concept O5A, c'est que cette vis est au sens de Rich un article. Donc quelqu'un, une entreprise, a fabriqué cette vis. Cette vis est devenue un article. À partir du moment où cette vis est devenue un article, au sens de Rich, elle reste un article toute sa vie. Peu importe que la vis soit intégrée dans un collier de serrage, le collier de serrage est un article, certes, mais il est constitué toujours d'une vis qui est un article. Et le collier de serrage intégré dans le véhicule, qui contient la vis au fond du compartiment moteur reste un article. C'est une interprétation qui a été faite par la Cour européenne de justice et qui est extrêmement importante dans l'application de REACH, article 33, et de CIP, la notification. Voilà pour ce qui est des bases. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La directive WFD, la Waste Framework Directive, nous dit dans son article 9.2 que vous devez, sous certaines conditions, faire une notification CIP. Alors CIP, c'est un acronyme pour Substance of Concern in Products. Traduisez cela d'une façon un petit peu différente du mot à mot, ça veut dire substance de la liste candidate dans des articles. Alors, qui doit notifier dans CIP et surtout quand? Eh bien, il y a plusieurs conditions qui doivent être remplies. La première, c'est que votre entreprise doit fournir quelque chose sur le marché de l'Union européenne. Donc, votre client est quelque part en Europe. Et vous êtes vous-même quelque part en Europe. Une entreprise non implantée sur le territoire de l'Union européenne ne peut pas faire de notification CIP. Typiquement, si vous avez une filiale en Californie, la filiale californienne, même si elle vend en France, ne peut pas faire de notification CIP. Celle ou celui qui devra faire la notification, ce sera l'importateur du produit californien, parce que lui est implanté dans l'Union européenne. Donc, première condition, l'entreprise est sur le territoire de l'Union européenne et elle vend ses produits en Europe. Deuxième condition, l'entreprise vend des articles au sens de REACH. Un article, je le rappelle, c'est un objet qui a une forme particulière et cette forme est plus importante que la composition chimique. Donc, une vis est un article, un collier de serrage est un article, une voiture est un article, mais bien évidemment, une graisse, une huile ou une colle ne sont pas des articles. Donc, vous aurez à faire un tri dans votre entreprise, déjà entre ce qui est un article et ce qui ne l'est pas. Et tout ce qui n'est pas article n'est pas concerné par la notification CIP. Donc, un exemple, si vous vous appelez Total et que vous ne fabriquez que des huiles moteurs, vous n'êtes pas soumis à CIP pour les huiles. Ensuite, ça ne suffit pas comme condition, il faut que ces articles contiennent
une ou plusieurs substances de la liste candidate. Cette liste candidate est une liste qui est mise à votre disposition gratuitement, évidemment, sur le site de l'ECHA. Vous aurez le lien de quelques diapositives plus loin. Et cette liste ne fait que grossir. C'est-à-dire que l'ECHA, deux fois par an, va augmenter la taille de cette liste avec de nouvelles substances et ne sont concernées donc par la notification CIP que les substances de cette liste. Ensuite, ça ne suffit pas, il faut une concentration supérieure à 0,1% en masse dans l'article. Donc, c'est pour tenir compte tout simplement d'impuretés qu'il pourrait y avoir et qui ne nécessitent pas une notification CIP. Dès lors que vous en avez plus de 0,1%, alors vous êtes soumis à CIP. 0,1%, j'insiste bien avec la notion du O5A. Si dans cette vis, il y a plus de 0,1%, imaginons 0,2% d'une substance de la liste candidate par rapport à la masse de la vis. Vous devez notifier, selon CIP, cette vis. Maintenant, cette vis est intégrée dans un collier. Et prenons l'exemple, le cas où seule la vis contient une substance de la liste candidate. Les deux autres articles du collier n'en contiennent pas. Dans ce cas-là, le pourcentage de la substance de la liste candidate par rapport au poids du collier complet va être probablement inférieur à 0,1%. Peu importe. Vous vous rappelez la règle article un jour, article toujours. Donc, le fait d'intégrer cette vis dans le collier et le collier dans le véhicule fait que ça ne change rien à la déclaration CIP que les entreprises doivent faire. Le fabricant de vis doit faire une notification CIP. Le fabricant du collier, le simple fait qu'il intègre une vis qui a été déclarée dans CIP, notifiée dans CIP, doit faire une notification pour le collier. Peu importe que le collier pèse 1 kg, 1 kg ou 200 g ou 10 g, ça n'apporte rien, enfin ça ne change rien. Et pour terminer, le constructeur du véhicule final, le simple fait qu'il y ait dedans une vis qui pèse 2 grammes et qui contienne plus de 0,1% d'une substance de la liste candidate, va devoir notifier dans CIP le véhicule complet. C'est la fameuse notion du O5A. Un article un jour, un article toujours. Je regarde une question. Effectivement, une remarque tout à fait pertinente. Je reviens à la diapositive précédente. Ici, il est écrit que pour une substance de la liste candidate, on a l'obligation de déclarer dès lors qu'on dépasse 0,1% en poids dans les articles et les mélanges. Alors pourquoi on a écrit les mélanges ici ? Ça n'est pas selon l'article 33, paragraphe 1, mais si vous livrez un mélange qui contient une substance de la liste candidate, par exemple une graisse, à plus de 0,1% en poids, vous êtes tenu par un autre article de REACH de l'écrire dans la fiche de données de sécurité. Alors, c'est vrai que dans la présentation, je ne vais pas m'attarder sur les fiches de données de sécurité, je ne vais même pas en parler, mais sachez que si vous fabriquez des mélanges qui contiennent une substance de la liste candidate à plus de 0,1%,
vous avez l'obligation de l'écrire dans la fiche de données de sécurité. Donc, plusieurs conditions, je les rappelle. Un, votre entreprise est implantée sur le territoire de l'Union européenne. Deux, cette entreprise vend des articles. Trois, ces articles contiennent une substance de la liste candidate, au moins une. Et quatre, cette substance est présente à plus de 0,1% en masse du plus petit article, au 5A. Si vous respectez, si vous remplissez ces quatre conditions, alors vous devez faire la fameuse notification CIP. Et la notification CIP, vous devez la faire. Alors, à partir, c'est ce que dit le texte de loi. Maintenant, le terme à partir, il doit être interprété de la façon suivante, c'est qu'au 5 janvier 2021, tout est fait. Ça ne veut pas dire pour vous, entreprise, vous pouvez commencer à saisir les informations dans la base de données CIP à partir du 5 janvier, non. Ça veut dire qu'à partir du 5 janvier, tous les produits qui sortent de chez vous et qui respectent évidemment les quatre conditions que je viens de citer, sont déclarés dans la base de données CIP. Alors, à quoi ça sert, cette base de données CIP? L'idée de la réglementation est la suivante, c'est que ça doit servir aux opérateurs de déchets, c'est-à-dire les entreprises de recyclage qui vont voir arriver des déchets qui contiennent des substances de la liste candidate et ça devrait permettre de mieux recycler ces déchets. Et également aux consommateurs, c'est-à-dire vous, moi, en tant que personne privée, donc une fois qu'on a quitté l'entreprise, on est un consommateur, on peut consulter sur le site de l'ECHA la base de données CIP. Pas toutes les informations, mais en tout cas, si vous avez une référence de produit, un code article, un code barre, vous le saisissez et vous savez instantanément si ce produit contient ou pas des substances de la liste candidate. Au niveau du calendrier, je vous en ai parlé, la date à retenir, c'est que tous vos produits livrés à compter du 5 janvier 2021 doivent respecter l'exigence CIP. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'ils doivent tous être déclarés. Rappelez, gardez à l'esprit les quatre conditions pour devoir déclarer, pour devoir notifier. Vous êtes implanté sur le sol européen, vous fabriquez, vous vendez des articles. Ces articles contiennent une substance de la liste candidate à plus de 0,1%. Vous voyez, toute la difficulté, en fait, ça va être de savoir si parmi tous les produits que vous vendez, lesquels sont concernés. La règle de la loi est assez simple. Maintenant, l'application dans votre entreprise va demander une mise en œuvre assez importante. Alors, que doit-on transmettre à l'ECHA dans cette base de données CIP? Il y a un certain nombre d'informations qui sont obligatoires et je m'arrêterai aujourd'hui que sur celle-ci. Le nom de votre article, sa référence peut être un code barre, peut être votre référence article de votre système de GPAO, ça peut être une référence commerciale, ce que vous voulez. Mais on doit pouvoir identifier clairement votre produit, votre article. Ensuite, un champ qui est assez nouveau pour les services techniques, pas pour la logistique ni pour la comptabilité, c'est ce qu'on appelle le code TARIC. C'est un numéro à 10 chiffres qui permet de faire des statistiques sur les ventes entre les États. Ce code TARIC, il en existe un et un seul, en général, pour chaque article de votre entreprise. Une information, si votre article est produit ou non dans l'Union européenne. Éventuellement,
Quand je dis éventuellement, c'est dans le sens si applicable. Des instructions pour une utilisation sûre. Ensuite, évidemment, le nom de la substance de la liste candidate et une plage de concentration. C'est-à-dire, vous dites dans votre article, j'en ai entre 0,1% et 0,3%, ou entre 1% et 10%, et vous avez même la possibilité de dire entre 0,1% et 100%. La loi vous l'autorise. Je confirme bien, suite à un message reçu, la base de données SIP n'est absolument pas volontaire. Elle est obligatoire depuis le 5 janvier 2021. C'est une exigence réglementaire que vous vous devez de respecter, au même titre que REACH, au même titre que le code du travail, au même titre que la vitesse maximale sur une autoroute. C'est une exigence réglementaire, obligatoire. En ce qui concerne les sanctions, non, je ne les connais pas. Il est clairement dit par l'administration actuellement que c'est plutôt une phase de sensibilisation, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un contrôle de la part de la DREAL, par exemple, ou inspection du travail, et dans un premier temps, ça va être une sensibilisation, on va vous demander de vous mettre en conformité, mais la volonté des autorités aujourd'hui n'est pas de sanctionner dès à présent, comme très souvent lorsqu'une nouvelle exigence réglementaire apparaît. Une petite remarque, les sanctions ne sont pas définies au niveau européen. Je ne dis rien, je n'en ai pas la certitude. Alors, cette base de données SIP, elle est évidemment disponible à cette adresse, donc c'est un site de l'ECHA, et elle est gratuite, c'est-à-dire que vous vous inscrivez, et puis vous pouvez vous-même saisir les informations concernant vos produits. N'oubliez pas de les tenir à jour, évidemment. Les différentes étapes. On peut estimer qu'il y en a 6 importantes, qui sont les suivantes, et qui va demander de la part de l'entreprise dans laquelle vous êtes un travail important. Ne le sous-estimez pas. Si c'est une exigence que vous n'avez pas traitée jusqu'à présent ou peu traitée, je vous invite fortement à mettre en place un groupe de travail pour vous mettre en conformité. Alors, si vous n'avez rien fait depuis le 5 janvier 2021, vous savez que vous êtes en retard. Donc, vous êtes théoriquement passible d'une amende. Maintenant, ou de sanctions administratives. Maintenant, le premier point, c'est d'en prendre conscience. Le deuxième point, c'est de mettre le plan d'action en place pour rattraper votre retard le plus vite possible. Le retard, la priorité, elle est claire, elle est sur ce que vous avez livré depuis le 5 janvier 2021. Ça, c'est la priorité des priorités. Et ensuite, c'est de faire la notification SIP sur tout ce que vous êtes susceptible de livrer. Parce que demain, un client pourra vous passer commande d'un article qui contient une substance de la liste candidate à plus de 0,1% et avant la livraison, vous devrez faire la notification SIP. Mais la priorité pour vous, c'est clairement tout ce que vous avez livré entre le 5 janvier 2021 et aujourd'hui. La liste candidate qui contient les substances extrêmement préoccupantes, voici le lien. Elle est actualisée tous les 6 mois par les chats et la liste ne fait qu'augmenter. On doit être à environ 221 substances à peu près dans cette liste. Les 0,1% sont importants.
puisque tout ce qui contient 0,1% ou moins de la substance de la liste candidate par rapport au plus petit article, le O5A, pour reprendre mon exemple, c'est la vis, eh bien ces articles ne sont pas concernés. Alors beaucoup d'entreprises ne se posent même pas la question de savoir si c'est inférieur ou supérieur à 0,1%, ça demande trop de calcul ou ça demande trop de temps, et eux, on va dire, déclarent par défaut. Ça veut dire à partir du moment où il y a un petit peu d'une substance de la liste candidate, ils le déclarent. C'est un choix d'entreprise, ça peut simplifier la tâche ou l'accélérer, maintenant la réglementation ne l'exige pas. Et un fournisseur non implanté en Union européenne, on fait souvent l'amalgame entre non européen, la Suisse est européenne, mais elle ne fait pas partie de l'Union européenne, donc non, ce sont bien les fournisseurs qui ne font pas partie de l'Union européenne, ne peuvent pas faire de notification. L'étape 2, c'est donc de collecter les informations obligatoires à saisir dans la base de données SIP. Parce que si vous n'avez pas toutes les informations, eh bien, vous n'aurez pas la possibilité de valider votre notification SIP. Donc, ce sont ici tous les champs qui sont indiqués en rouge et en marron. C'est la même liste, je reviens en arrière, que celle-ci, en diapositive 7. L'étape 3, bien, c'est de bien connaître tout ce qui sort de votre entreprise. Parce que si vous faites partie du service commercial ou du service bureau d'études, les produits que vous vendez, vous les connaissez. Mais il y a peut-être des produits, des articles auxquels vous ne prêtez pas attention. Et l'exemple type, ce sont les emballages, les palettes, les films plastiques, les cartons, les étiquettes d'identification, le ruban de cerclage. Tous ces produits-là sont soumis à REACH et sont soumis à SIP. Ça veut dire que si vous livrez au client un carton d'emballage qui contient une des substances de la liste candidate à plus de 0,1%, vous êtes soumis à la notification SIP. Donc vous devez faire la notification. Parfois, on n'y pense pas parce qu'un emballage, c'est traité par un autre service de l'entreprise, donc ça peut être mis de côté, alors que ça ne doit pas l'être. Au sens de REACH, un emballage doit être considéré comme un article séparé. Donc un carton, c'est un article. Une palette, c'est un article. Un emballage réutilisable, c'est un article. Donc c'est vraiment tout ce qui sort de votre entreprise. Je vais plus loin. Vous faites imprimer des clés USB avec le logo de votre entreprise pour distribuer à vos clients ou à des personnes qui sont intéressées par vos produits dans un salon. Eh bien, les clés USB sont concernées par les notifications SIP parce que vous mettez à disposition un produit, peu importe qu'il soit vendu ou donné. Ça ne change rien. Et à quels clients sont vendus les articles? Ça, évidemment, vous devez être en mesure de le savoir. Vous devez être en mesure de le savoir déjà au titre de l'article 33 de REACH qui vous oblige à informer votre client de la présence d'une substance de la liste candidate. Un petit parallèle. Pour ceux qui connaissent l'article 33 de REACH, le devoir, l'obligation de communication. Vous devez communiquer à votre client si votre article contient une substance de la liste candidate à plus de 0,1%.
Eh bien, les conditions pour devoir informer votre client sont strictement les mêmes que dans SIP. SIP, article 9.2 de la directive WFD. Ça veut dire que si vous êtes soumis à l'article 33, vous savez que vous êtes soumis à SIP. Et vice-versa aussi, parce que les conditions sont strictement les mêmes. Donc si aujourd'hui vous faisiez correctement le travail de l'article 33 de REACH, eh bien maintenant vous savez que vous avez toujours l'article 33 de REACH à respecter, vous devez informer votre client, mais qu'en plus, vous devez saisir des informations dans la base de données SIP. Alors, évidemment, ça va vous demander de savoir quels sont les articles qui contiennent des substances de la liste candidate. Et là, ça n'est pas une mince affaire, puisque vous achetez très probablement un certain nombre d'articles ou de matières. Donc, un gros travail va consister à obtenir de vos fournisseurs des informations. Donc, dit autrement, votre service achat, très probablement, sera très concerné par cette collecte d'informations. Et une fois que vous avez identifié les articles qui contiennent des substances de la liste candidate à plus de 0,1%, il va vous falloir préparer la notification. Vous avez pour cela trois méthodes, soit en ligne, vous vous connectez sur le site de l'ECHA, soit hors ligne, vous avez des systèmes informatiques propres à l'entreprise qui vous permettent de stocker un certain nombre d'informations sur des notifications SIP et puis la nuit, par exemple, de les envoyer à la base de données ou d'utiliser des systèmes qu'on appelle S2S, système to système, tels que IMDS, qui est un logiciel utilisé dans le secteur automobile, ou CDX, qui est le même logiciel mais pour d'autres secteurs que l'automobile, et qui vous permettent de transférer automatiquement les informations vers votre base de données, enfin vers la base de données SIP de l'ECHA. La base de données SIP de l'ECHA n'est pas très conviviale, malheureusement. Donc, beaucoup d'entreprises utilisent des logiciels. Ça peut être, si vous êtes équipé du logiciel SAP, de GPAO, il y a un module qui existe pour la transmission SIP d'informations, mais bien d'autres logiciels d'ERP ou de GPAO disposent d'un module SIP, alors intégré ou à acheter séparément, mais en tout cas, c'est quand même la tendance. Et l'étape 6, c'est de l'envoyer, sachant que si vous envoyez une notification, pensez à la mise à jour. Vous avez fait le plus gros du travail, mais si votre article évolue, vous devrez faire évoluer votre notification SIP. Et sachez que vous pouvez donner cette tâche, confier cette tâche à des consultants ou des entreprises extérieures. Vous pouvez sous-traiter ce travail-là. Et dans la base de données SIP, il y a la possibilité de saisir les informations via une personne externe que vous avez évidemment habilité. Prenons l'exemple d'IMDS professionnel. Vous ne pouvez pas... Enfin, vous pouvez tout à fait confier cette tâche à IMDS professionnel. Par contre, au préalable, il faut lui avoir donné votre accord, évidemment. Voilà, des exemples de logiciels qui vous permettent de faire des notifications SIP directement. Alors, quel intérêt de ces logiciels ? C'est qu'ils contiennent déjà des informations sur les substances. Si on prend l'exemple de votre logiciel d'ERP ou de GPAO, a priori, il ne contient pas la composition chimique de vos produits. Je dis bien a priori, hein, il peut y avoir des exceptions.
Donc, ces logiciels peuvent quand même être utilisés, moyennant le module, mais simplement, les informations manquantes vont devoir être saisies par vous-même. Il n'y a pas de miracle. Et pour terminer, notre entreprise se tient à votre disposition soit pour des webinaires sur le même sujet, SIP, notamment, mais sur d'autres thèmes comme REACH, comme le règlement biocide, comme la directive véhicule hors d'usage ou les minéraux de conflit. Et sachez que nous sommes équipés, nous avons un service dédié à cela pour externaliser ce processus. Prenons l'exemple, vous ne souhaitez pas vous occuper de cette tâche parce que ça n'est pas votre cœur de métier ou parce que vous n'avez pas les ressources. Nous nous chargeons de cette tâche. Évidemment, nous allons vous rencontrer, faire un inventaire des articles que vous avez, identifier tous les articles qui pourraient être concernés. Et une fois que ce travail est fait, nous nous chargeons de faire les notifications SIP auprès de l'ECHA. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. J'arrive à la fin, il nous reste un petit peu de temps, donc n'hésitez pas, soit vous pouvez prendre le micro ou soit vous pouvez envoyer un chat, enfin un message dans la conversation avec le bouton conversation et j'essaierai de répondre à vos questions. Peut-être je vous montre en attendant une éventuelle question. Pour se connecter sur la base de l'ECHA, la base SIP de l'ECHA. Vous ouvrez une page internet en saisissant ECHA, le premier lien non commercial. Et logiquement le bon, echa.europa.eu. Sur cette page, dans le bandeau de droite, vous avez un bouton SIP. Et pour vous connecter à la base SIP, vous cliquez sur ce bouton Access ECHA Cloud Services, donc c'est le fameux logiciel iEuclid de l'ECHA qui vous permet de faire pas que, mais en tout cas la notification SIP. Et vous vous connectez ici ou vous créez un compte pour votre entreprise ici. Alors j'ai une question qui m'est parvenu, est-ce que vous pouvez notifier les substances SVHC exclues de la base de données SIP ? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, étant donné que est-ce que ça veut dire que votre produit qui contenait autrefois une substance de la liste candidate n'en contient plus, parce que vous avez, par exemple, modifié le produit. Est-ce que c'est dans ce sens-là, votre question ? Alors, je ne sais pas, en tout cas, si jamais c'est ça la question, c'est de dire... Si dans un article, vous avez une substance de la liste candidate à plus de 0,1%, vous l'avez notifié dans SIP, et puis un jour, vous faites une modification de la conception justement pour enlever cette substance de la liste candidate, eh bien, vous avez la possibilité, et c'est recommandé, de mettre à jour votre notification SIP auprès de l'ECHA en disant, dans mon article, dont vous avez la référence, il n'y a plus la substance.
Et de cette façon, la base de données et site va être actualisée. Il y aura quand même la traçabilité de votre article, mais au moins, on sait que dans votre article, dès à présent, il n'y a plus la substance. Sinon, on évoque la question de ROHS. Alors, ROHS, donc, c'est une réglementation sur les produits, sur les équipements électriques et électroniques, type un réfrigérateur ou un téléphone portable. Cette réglementation, qui n'a rien à voir avec SIP, elle réglemente 10 substances. À ce jour, il n'y a que 10 substances réglementées. Alors, certaines de ces substances sont dans la liste candidate, donc de toute façon, il faut les notifier dans SIP. Si la substance ROHS n'est pas dans la liste candidate, vis-à-vis de SIP, vous n'avez rien à faire. J'ai une autre question concernant l'exemple de la voiture que j'ai pris. Donc, sur cette voiture, si les composants vis et colliers sont fabriqués ou importés en Europe, déclaration SIP. Si par contre la voiture est fabriquée en Russie et exportée vers l'Asie, dans ce cas, pas de déclaration de la voiture sur SIP. Oui, SIP ne s'applique que à l'Union européenne. Ça veut dire qu'un fabricant de véhicules en Russie, par exemple, qui exporte vers l'Asie, le véhicule n'a pas été sur le sol de l'Union européenne et donc la notification SIP ne s'applique pas. Et c'est logique. Une entreprise implantée à l'extérieur de l'Union européenne n'a pas à respecter une réglementation européenne. Par contre, si la voiture est fabriquée en Russie et importée en Europe, dans ce cas, déclaration SIP. Oui, une voiture est fabriquée hors Union européenne. Et prenons l'exemple, dans cette voiture, il y a une vis qui contient une substance de la liste candidate à plus de 0,1%. L'entreprise, par exemple, en Russie, qui va exporter la voiture en Europe, elle n'a aucune exigence réglementaire à respecter. Je parle bien sûr que d'un point de vue SIP. Pourquoi ? Parce qu'elle est implantée en dehors de l'Union européenne. Maintenant, regardons du côté de l'Europe. Il y a bien un importateur, une entreprise qui va importer le véhicule de Russie sur le territoire de l'Union européenne. Eh bien, l'obligation de notification SIP va incomber à cet importateur. Pourquoi ? Parce que l'importateur est bien situé sur le sol de l'Union européenne. Donc, la loi s'applique. Alors, la difficulté pour l'importateur d'un produit, d'un article qui vient de l'extérieur de l'Union européenne, c'est que c'est plus difficile pour lui de savoir quelles sont les substances de la liste candidate. Et pour ce faire, sa seule possibilité, c'est de contraindre son fournisseur, donc l'entreprise russe, dans le cas présent, qui fabrique la voiture, de contraindre son fournisseur par un contrat d'achat, par des conditions générales d'achat, en lui disant, si vous me vendez un article, je vous demande que vous m'informiez de la présence éventuelle de substances de la liste candidate. Chose que vous n'avez pas besoin de faire si vous achetez en Europe. Imaginez, vous achetez une voiture à titre professionnel en Allemagne. La société allemande est soumise au règlement REACH. Donc la société allemande a dû, au titre de l'article 33, vous informer que dans sa voiture, il y a une substance de la liste candidate. Ça, c'est la loi. Donc le fournisseur allemand doit vous le dire. Alors que si c'est une entreprise russe ou autre en dehors de l'Union européenne,
celle-ci n'a pas d'obligation légale. Donc dans ce cas-là, verrouillez bien dans vos conditions générales d'achat le fait que vous avez besoin de ces informations. Voilà. J'espère avoir pu vous éclairer sur ce qu'est SIP et les grandes tâches à accomplir pour vous mettre en conformité. Je vous souhaite un franc succès dans l'application de cette réglementation et je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Au revoir, messieurs, dames.